Le camion suicide là. Ouais. Vous êtes témoin, suicide, ce camion là. Ouais. Il a essayé de me percuter ici. Sur 5 mecs, j'ai reculé jusqu'ici. Ouais. Par la suite, quand j'ai esquivé, je lui ai mis une droite dans la vitre. Y a pas de souci, j'assume ce que j'ai fait. Ouais. Ils sont tous sortis du truc avec des grands bâtons comme ça. Ils sont venus sur mon collègue, ils lui ont mis un grand coup de bâton. Il y en a un autre qui est venu sur moi avec un autre grand bâton. Il m'a mis deux coups dans la tête, trois coups dans la tête, j'ai assumé les coups. Je l'ai pris, je l'ai bloqué au sol, il y en a un autre qui arrive avec une autre part de ferraille, il me l'a explosé dans la mâchoire, monsieur. Il me l'a explosé dans la mâchoire, monsieur. C'est pas de la provocation, ça. Ça rime à quoi de venir en ville? Regardez mes dents. Non, mais honnêtement, c'est pas gratuit. Un coup de bâton, il m'a explosé la mâchoire. Honnêtement, c'est pas gratuit, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas gratuitement, les altercations. Il a voulu me percuter ici. C'est pas tout gratuit, ça. C'est pas gratuit de mettre ensemble deux personnes. Là. Mais laissez-les faire, faut les laisser faire la propagande. C'est quoi, c'est des idées ça? Non, non, c'est bon là. Faut la laisser faire, laissez-les faire. Laissez-les les gars, laissez-les faire. Laissez-les faire là, la propagande là. Au contraire, ils veulent faire de la pub pour la télé là. Monsieur le gendarme, faut les faire partir là. Faut de la pub pour la télé. Eh ben oui, faut pas rentrer dedans les gars, partez. Mais c'est tout. C'est eux qui font de la pub. T'as raison. Ils vont tous me mettre pour la partie. De toute façon, ils vont même tous me mettre dans la télé. Faut pas croire, ils font de la pub. Viens pas dire n'importe quoi. Y'a pas de pub. C'est eux qui viennent de m'agresser là. Y'a une toute différence. C'est eux qui viennent de m'agresser, ils font une partie là. Ça va rien. Viens pas me dire c'est de la pub pour eux là. Vas-y, rentrez. C'est la pub. Vas-y, rentrez. Rentrez. On va passer, mais déjà tout de passer. Alors, vos véhicules, vous allez ranger votre véhicule, d'accord? Moi, je me suis dit, Monsieur, ça serait ma face, monsieur Durban. Je serais déjà en garde à vue pour ce qui vient de se passer. Alors maintenant, ils viennent de m'agresser à 4 et vous les embarquez pas, c'est pas tout à fait pas normal. Ils vont passer une heure là-bas, que moi j'en aurais passé 48. De toute manière, les élections sont terminées. J'en aurais passé 48, moi, personnellement. C'est terminé, ils ont pas. C'est comme ça que ça marche en France. De nos jours, la discrimination est partout. Alors faudra pas s'étonner s'il y a des émeutes. Il y a des émeutes tout le temps. S'il y a des agressions, s'il y a des cramages de voitures, s'il y a tout ça. Vous allez là-bas, ok? Derrière, ici, derrière. Ils ont le droit de faire un. Donnez. C'est tout. Regardez. C'est ça, c'est ça, c'est ça, la publicité, voilà. Cassez-vous là. Monsieur, je vais vous demander votre carte d'identité par exemple. Oui, monsieur. Vous leur avez demandé leur carte de séjour, là. On les connaît, monsieur. Maintenant, vous me taisez. Non, rentre pas dans leur jeu. Rentre pas dans les jeux, tranquille. Ah, campagne, ça se fait pas des bouts de bois, les mecs. Mais non, c'est ce qu'il faut. Comment non, c'est ce qu'il faut. Non, papa. Non, mais faites-le correctement, venez pas. Si. Je vois bien, mais vous savez très bien que. Regardez-moi, je viens d'Afrique du Nord, moi aussi. Non, mais les gens. Et moi, j'ai compris que le drapeau blanc rouge, c'est fallait faire. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas l'immigration. Ce matin, il y a les gars de Nicolas Sarkozy qui sont venus, il n'y a pas eu de problème. Ils ont distribué leur tract, il n'y a eu aucun problème. Les gens. C'est quand même bizarre. On peut être amené à se poser des questions. Moi, je pense une chose, c'est que dès qu'on sort les couleurs de. Non, c'est pas que des couleurs. Non. Pourquoi vous venez encore pour. C'est qui fait envenimer la situation? Mais il n'y a pas d'envenimé, ils ont regarde, pas envie. C'est vous qui sortez un bâton, vous sortez un bâton comme ça. Les jeunes, je vois pas, ils n'ont pas de bâton là. Depuis ce matin midi, ils tournent. Ils ont mis les prospectus sur les pare-brise ce matin et cet voilà. Après-midi. Depuis ce matin midi. Mais alors, c'est un parti politique, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire campagne? Si, mais faire campagne et puis faire campagne. Campagne, mais pas venir faire chez les jeunes qui discutent tranquillement. On reçoit des prospectus de tous les partis. Tous les reçoit pour les votes. Ils n'ont pas besoin de circuler pour faire leur propagande, faire chier les gens honnêtes qui travaillent et les jeunes qui discutent tranquillement. Et comment ça se fait que dans le camion, ils avaient des bars et tout? Ils avaient ça dans le camion. Pourquoi? Ils savaient très bien qu'il allait y avoir quelque chose.
Il n'y a pas beaucoup de parties qui ont des bâtons à l'arrière. Dans un camion, vous avez des manches de balai, des cols. C'est partie du matériel, quoi. Ce genre d'échauffouré, c'est bon pour le FN? C'est pas bon pour la démocratie. Ça peut montrer du doigt certains problèmes. Nous sommes là pour les résoudre. Donc après, chacun prend ses responsabilités. Nous sommes pacifistes, démocratiques. Sinon, on ne ferait pas de politique comme ça. On se présenterait pas, on poserait des bombes comme en Corse. Ce n'est pas du tout le choix du FN. Nous sommes un parti démocratique et nous voulons faire entendre notre voix à l'Assemblée nationale. C'est anormal qu'il n'y ait aucun député Front National. Vous êtes pacifiste, mais il y a des manches de pioche à l'arrière et vous en servez.